On est mal et même maudit. Il faut du Harry. RS Quattro ou Ferrari. Je fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon mani, ça grille les feux rouges dans tout Paris. Je prends virage à gauche, je prends virage à droite, mais je ramène le produit. Le produit. Attends, cherche les autres. Billy. Ouais. Regarde, t'as vu, tu m'as beaucoup manqué de respect, toi, depuis le début, non? C'est vrai, mais je me suis excusé et hier on est reparti sur de bonnes bases. Tu crois que je m'excuse avec un poignasse, moi? Mais non, mais en fait, regarde. C'est qui lui? Eh, hey, fais gaffe, je te mets une balle dans la tête. Billy, Billy, Billy! C'est ta faute que je m'en fais. Billy, je vais tirer! Et je vais re-rentrer dedans, tellement il est gros. Voilà, j'ai attendu ça. Viens là, ta mère. Non, attendez, attendez, attendez. Reste là, reste là. Je l'ai, okay, je l'ai. Okay. Reste là. Prends-le en... Reste là. Décale-toi. Reste là, tu te débâches, je te mets une balle dans la tête. Okay, 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 okay. Même si j'ai pas de pistolet. Je t'étrangle. Je t'étrangle jusqu'à que tu meurs. Roi puta. Tu crois t'en fuir comme ça? Tiens, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Billy, pourquoi tu fais ça? Tu veux que je te mette une balle dans la tête ou quoi, Billy? Et je te braque avec une arme, Billy. Vas-y, viens. Attends, c'est lui qui m'a chié. Tu vas être mon indic chez les Poyos. Tout ce qui se trame derrière moi, je veux que tu m'appelles, tu m'envoies un message. Mais d'accord. Allez, c'est bon, je suis convoqué. Adam, t'as dit quoi? Moi, j'ai un salaire pour ça. T'as un salaire? C'est ça, ça, soit tu meurs, en fait. Vas-y, ok, d'accord, j'accepte d'être indic, mais... Et après, si tu me donnes des belles informations qui sont vraies, peut-être que je te paye. Mais le truc, c'est que au commissariat, ça parle jamais de vous. Vous croyez trop, vous êtes des boss alors que ça parle jamais de vous. Ah ouais, c'est pour ça qu'on vient d'arrêter deux de mes gars pour tentative de meurtre sur agent. Ah, je faisais Pékin Express, j'étais pas là, j'avoue. Eh ben voilà, là. Et t'as dit quoi? On se prend un peu trop pour qui? Non, mais vous pensez Billy, que vous avez du buzz dans la vie. Regarde douter, ferme ta gueule. Ok, pardon. Regarde douter, réveille-toi un peu. Vertigo, tu me fais peur, t'es tout pâle, qu'est-ce qu'il y a? Pas du tout, et clairement pas, on n'est pas tes potes. Ok, pardon. Et re-insulte-moi ma mère par téléphone, tu verras ce que je vais te faire. Mais c'est toi, tu m'as dit pas de putain, moi j'ai dit d'accord. Ouais. Et le nique ta mère, désolé pour le majuscule. Je t'ai déjà dit, je voulais envoyer à ma tante, je me suis trompé. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui. Mais présente-moi ta tante que je la baise alors. Ok, vas-y, je te la ramènerai un de ces quatre. Oh, bref, ma tante, elle s'appelle allez. Kennedy, je te la ramène tout à l'heure, ok? Il en a marre. T'as dit quoi? Je t'ai dit, ma tante, elle s'appelle Kennedy, je te la ramène tout à l'heure, tu pourras bien la ken. Okay? Non, mais là, c'est bon, t'inquiète, je sais c'est qui, j'en veux pas, elle pue de la chatte. Ça, t'as bien raison. Bref, allez, c'est bon, tu peux bouger. Ok, merci tout le monde. Je vais vous fais gaffe à ce que tu vas faire, hein, Billy. Billy, s'ils sont au courant de quoi que ce soit, je te mets une balle dans la tête là par contre. Ok, on est clair. Ça marche, je suis désolé. Je reviens vous voir tous les soirs, c'est ça? Tu m'appelles, tu me donnes des informations. Ok, ça roule. C'est bon? Et vous faites quoi exactement? Vous vendez de la drogue, c'est ça? Je vais te niquer ta mère. Allez, barre-toi. Ok, pardon. Barre-toi. RFS si jamais. Mais déjà, on va changer de véhicule. Oh yes. Mais attends, t'as fait un gain innocent là-bas. Eh bah, toi, tu fais quoi ton avis alors? Tu violes des meufs, cousin. Non, frère, tu sais très bien, j'ai rien fait. T'as tenté. Mais t'étais là en plus, sale con. T'es vraiment un bâtard. Ouais, et le lendemain où j'étais pas là, comme par hasard, t'es parti tapiner une meuf avec Pascal au quartier des Vagos. Ouais. Eh d'ailleurs, enculé, j'espère que t'es pas parti chez Vertigo, hein, tout à l'heure. Quand tu m'as dit qu'il t'avait demandé de le rejoindre. Je suis juste allé voir mon ex. Tant mieux, hein, juste ton ex, hein. Vertigo, j'espère que t'as supprimé son numéro de téléphone. Ouais, ce gros bâtard là. Ah là, c'est un gros calvitie. Pute, là. De la gueule,
pas. Non, Mason, je peux pas te le dire. Mason, putain. Je crois que t'es beau gosse. Moi ? Ouais. 22. Apparemment, j'ai une coupe de BDG, faut que j'aille la chercher. Tu peux vraiment déposer en schleit au magasin de vêtements sans que personne ne voit ? Depuis que. Tu crois que t'es beau gosse ? Tu crois que c'est qui le plus beau entre nous deux là ? Non, c'est toi, c'est toi. Mais moi, attends. Au moins, j'ai une ex. Là, j'ai une meuf, j'ai Kennedy. Toi, t'as personne. Ah. T'as, en fait. Siri, c'est qui le plus beau entre Mason et Billy ? Voici ce que j'ai trouvé sur le web. Mais nique ta mère, je te demande pas le web, je te demande c'est qui le plus beau. Siri, c'est qui le plus beau ? Si votre ramage se rapporte à votre habillage, vous êtes le phénix des hôtes de ma voix. Eh vas-y, nique ta grand-mère. Ça va le phénix ? Casse-toi frère, elle a cru que j'étais Voldemort, Harry Potter et tout. Donc là toi... T'es sûr que ta meuf, elle est parfaite? Bah, tu sais, elle a l'air d'avoir quelques défauts. Genre, par exemple, elle pue sa grand-mère, tout ça, elle se lave pas les dents, elle met tout le temps les mêmes habits, c'est une crasseuse et tout. Mais je vais la relooker, quoi. Mais on est d'accord, t'es sûr, du coup? Ouais, je suis sûr, ça a l'air d'être une meuf bien de ouf. Ah, c'est une meuf bien. Elle a mis, c'est pas cool, la photo a été prise parce que j'avais des trucs coincés. Vous êtes pas sympa sur Instagram et Yanis, tu as un drone. Ah ouais, putain. Écoute, tu me fais confiance ou pas, même si la photo elle a été supprimée? Ouais, j'avoue, tu m'as parlé d'un cul, là, elle parle d'un truc. Écoute, coincé. Son cul, elle était en string à l'hôpital, en train de le montrer devant tout Los Santos à côté d'un EMS. Elle tendait son cul. Putain. Tu sais comment elle était? Elle était comme ça. Comme ça, elle était. Ah, elle est en train de remuer son cul à poil, cousin. Mais ça, frérot, ça me fait bizarre de te voir comme ça, frère. T'as un bon. Ouais, c'est vrai que ça me fait bizarre aussi. Frère, peut-être elle était sous anesthésion, elle devait se faire une piqûre au fait, je sais pas. À remuer son cul. Moi, frère, je suis obligé de la défendre vu que c'est ma femme. Ça veut dire que je vais jamais montrer ses défauts. Ah. Pacific Bank. Ah, Tata, tu vas bien ? Je suis avec mes collègues là, Tata. T'es venu au bar ou pas? Réponds par oui ou par non. On arrive. Bah on a failli passer chez toi là tout à l'heure avec mon oncle Hamoud, mais on passera une autre fois finalement. Et raccroche, il dit à Tata qu'à un moment elle attendait aussi. Bah faut que tu fasses attention à tes courses, hein. Écoute Tata, fais pas tomber tes courses. Avec la coque, pour la coque. Pour n'importe quoi Tata, hein. Produits ménagers, produits vaisselle, fais attention. On va direction agence. Tu m'as dit quoi Tata? J'ai pas entendu. Ça va être une autre fois, c'est ça? On est devant l'agence. Je viendrai porter tes courses une autre fois, là, je suis grave occupé. Ouais, bah vas-y, ça va, Claro. Vas-y. Billy, console-toi, là, putain de ta race. Gros bisous. Bonne soirée. Putain, dis-moi, s'il vous plaît. Excuse-moi, mais ça, familial. C'est en Vespucci. La plage, on arrive au niveau de la plage, là. Mais ça, non! Bon, tu veux me dire regarde, attends, bon, Miracle, je vais te le faire illico presto parce que ça prend trop de temps. Écoute, Billy, il est tombé red dingue de toi dès le premier jour. Il a envie de t'épouser dans ton cœur. En gros, il a envie de déposer son drapeau blanc, et je parle pas de son sperme, dans ton cœur. Ensuite, il a envie de te mettre le bambou dans le cul, comme ça, t'es, au moins t'es au courant. Et ensuite, non, il veut t'épouser pour ce que tu es, d'accord? Donc moi, j'y vais pas, je parle le bon français, je parle la langue de Molière. Arrête de casser les couilles, tu lui dis oui ou non. Parce que lui, il t'aime et lui, tu vois, c'est un vrai homme. Peut-être il baisse plusieurs femmes, tu vois, mais au moins, ça, lui, c'est un vrai mec. Ah ouais, c'est un bon Billy, gars. T'en as baisé combien? Peut-être, j'ai tu vois, baisé peut-être. Zéro, je suis non, Billy, sauvé. T'en as baisé. Zéro, je te jure, c'est zéro. Quel âge, Billy? J'ai 25 ans. 25 ans, et tu veux savoir c'est et quoi le pire? T'es encore plus sauvé, pourquoi lui dit que t'as baisé plein de meufs? Mais non, oui. Il a baisé plein de meufs dans le respect. Tu sais, ça veut dire quoi par le respect? C'est dire que toutes les meufs qui ont essayé je de le regarde pas dans les yeux. C'est-à-dire que toutes les meufs qu'il a essayé de pécho, eh bah, il les a recales à la fin. Il les a recales. Toi, il te regarde droit dans les yeux parce que tes yeux sont omniprésents. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et j'ai même fait une chanson pour toi, d'accord?
Ah, vas-y, je Je suis love de toi, mimi mimi t'écoute. mia. Aïe, aïe, aïe. Je suis love de toi, mimi mimi mia. Épouse-moi, mimi mimi mia. Épouse-moi. Ouais, veux-tu m'épouser, Mia? Mais Billy, on se connaît pas, Billy. De quoi? On se connaît pas, Billy, ici. Mais si, on se connaît, on se parle tout le temps. C'est moi qui t'offre un café à la salle là-bas, là. À la quoi? Au cafétéria du Comico, ta mère. C'est moi, je t'offre des cafés. Ma mère, fois. Ma mère, elle est là où elle est, s'il te plaît, Billy. Mais non, j'ai ça, pas ta dit mère, ta mère. Y a quoi, ta mère? J'ai dit nananer, genre, je t'ai nargué. Non, mais y a quoi avec ta mère? Ah, je sais pas, on dirait qu'il la connaît. Ah, mais non, mais t'as pas compris quand il parle de ta mère, c'est-à-dire que s'il veut t'épouser, d'abord il devra attendre l'autorisation de ta mère et de ton père. Bah ouais, c'est ça, un minimum, je viens de demander non. la main tes darons. Comment ça, non? Aïe. Non, il t'a pas poussé, t'inquiète. Mais il frappe pas, sale pute, qu'est-ce que tu fais? Nique tes morts, mais mamie KO. Ouais, tout à l'heure, on est en train de... Oh. Reste là, depuis tout à l'heure, on se casse le cul pour une vraie déclaration, tu fais la gonzesse, frère, va niquer tes morts. Ça y est, cousin, frère, tout le temps, il fait la meuf. Ça y est, frère, oh, épouse-le, oui, je t'épouse. Mais tu ça se les couilles. Attends, je me relève. Vas-y, je vais pas péter, pète-moi la gueule, si tu veux, je te mets un coup de matraque. C'est bon, non, quoi. Non, mais Zen, c'est bon. Non. Oh, c'est bon, frère, c'est trop, t'as fait une déclaration d'amour. T'es le patron, et nous on trois pas trop. À la chicha sous ballon, tu te pars pour ta gamine. Tu racontes que des